Coca-la! Bonjour Nicolas. Bonjour Judith. Bonjour. Andy, est-ce qu'on peut aller voir les papillons? Les papillons? D'accord. Allons voir les papillons. Venez. Viens Judith. Le premier qui voit les papillons a gagné, d'accord? D'accord, moi je vais avec Nicolas. D'accord. Eh, venez voir. Revenez les garçons. Il y a tout plein de papillons. Je vois les yeux sur leurs ailes. C'est vrai. Leurs ailes ressemblent à des yeux. Je vois leurs yeux. Tu crois? Ils ont des yeux comme ça. Ce ne sont pas vraiment des yeux. Ce sont des taches qui ressemblent à des yeux. Des taches qui ressemblent à des yeux. Venez, il y a beaucoup de papillons par là. Sais-tu ce que fait ce papillon? Il vole autour de la fleur. Il se pose dessus pour boire ce qu'il y a dedans. Exactement, ce papillon boit du nectar. Le nectar est un liquide sucré qui se trouve dans la fleur. Regardez celui-là, le dessin des ailes est très joli. Il boit le nectar. Il enfonce sa trompe à l'intérieur. Les papillons adorent le nectar. Celui-là vole au-dessus des fleurs. Il boit aussi du nectar. Regardez celui-là. Il a combien de couleurs? Blanc, noir, orange. Venez, on va par là. Les papillons battent des ailes pour voler. Ils ont besoin de leurs ailes pour voler. Ils volent, volent, volent. Ils volent, volent, volent. Ils volent, volent, volent. Ils volent, volent, volent.
Alice. Il y a eu quand même. Ouah, il est passé tout près. C'est un joli papillon orange. Au revoir, joli papillon. Au revoir. Au revoir. Jacques. Je m'appelle Nicolas. Je m'appelle Gidi. Venez, on va voir Andy. Andy. Bonjour Andy. Bonjour Jacques. Bonjour Nicolas. Bonjour Judith. Bonjour. Andy, est-ce qu'on peut aller voir les papillons? Les papillons? D'accord. Allons voir les papillons. Venez. Viens Judith. Le premier qui voit les papillons a gagné, d'accord? D'accord, moi je vais avec Nicolas. D'accord. Eh, venez voir. Revenez les garçons. Il y a tout plein de papillons. Je vois les yeux sur leurs ailes. C'est vrai, leurs ailes ressemblent à des yeux. Je vois leurs yeux. Tu crois? Ils ont des yeux comme ça. Ce ne sont pas vraiment des yeux. Ce sont des taches qui ressemblent à des yeux. Des taches qui ressemblent à des yeux. Venez, il y a beaucoup de papillons par là. Sais-tu ce que fait ce papillon? Il vole autour de la fleur. Il se pose dessus pour voir ce qu'il y a dedans. Exactement, ce papillon boit du nectar. Le nectar est un liquide sucré qui se trouve dans la fleur. Regardez celui-là, le dessin des ailes est très joli. Il boit le nectar. Il enfonce sa trompe à l'intérieur. Les papillons adorent le nectar. Celui-là vole au-dessus des fleurs. Il boit aussi du nectar. Regardez celui-là. Il a combien de couleurs? Blanc, noir, orange. Venez, on va par là. Les papillons battent des ailes pour voler. Ils ont besoin de leurs ailes pour voler. Ils volent, volent, volent. Ils volent, volent, volent. Ils volent, volent, volent. Ils volent, volent, volent. Ouah, il est passé tout près. C'est un joli papillon orange. Au revoir, joli papillon. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Un jour, au pays des Télétubbies, les Télétubbies faisaient voler leur cerf-volant. Cerf-volant ! Le vent soufflait, soufflait.
Mais soudain, le vent tomba. Le vent souffla. Souffla. Et puis, il tomba. Le vent souffla. 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 Lala eut envie de jouer avec son ballon. Jouer avec ballon? Elle demanda à Dipsy de tenir son cerf-volant. Pour toi? Merci. Le vent souffla, souffla, souffla. Puis il tomba. Et puis il se remit à souffler. Puis il tomba à nouveau. Dipsy eut envie de jouer avec Lala. Dipsy, jouer Lala. Alors, il demanda à Tinky Winky de tenir ses deux cerfs-volants. Pour toi. Oh, merci. Lala! Lala! Le vent souffla. Souffla. Puis, le vent tomba. Tinky Winky eut envie de jouer avec Lala et Dipsy. Jouer avec Dipsy et Lala. Alors, il demanda à Po de tenir ses trois cerfs-volants. Pour toi, Po. Merci. Dipsy, Lala, Dipsy, Lala. Et savez-vous ce qui arriva? Le vent souffla, souffla. Puis il tomba. Le vent souffla. Puis il tomba. Le vent souffla. 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 Et souffla. Po monta, monta dans les airs. Po monta, monta, monta haut dans le ciel. Il vola par-dessus les fleurs. Regarde, regarde. Et par-dessus les lapins. Bam.
Les autres Télétubbies n'en crurent pas leurs yeux en voyant Po qui montait, montait dans les airs. Eh oh, oh, oh. C'est quoi? C'est Po. Regarde Po. Mais c'est alors que Po commença à redescendre. Il redescendit. Il redescendit. Tout le monde était très content que Po ait enfin atterri. Car les Télétubbies aiment vraiment Po très fort. Aime Po très fort. C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. Non, 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 non. Au revoir, Tinky Winky. Au revoir. Au revoir, Dipsy. Au revoir. Au revoir, Lala. Au revoir. Au revoir, Po. Au revoir, Tinky Winky. Au revoir. Au revoir, Dipsy. Au revoir. Au revoir, Lala. Au revoir. Au revoir, Po. Au revoir. Quand le soleil se couche le soir, les Télétubbies disent au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye.
C'est le carnaval. Je m'appelle Suzanne. Bonjour, je m'appelle Sacha. On se prépare pour le carnaval. Venez voir. C'est le carnaval. C'est un grand costume pour le carnaval. Voilà les ailes, le masque et le col. Regardez ce costume. Il est rouge et or. Il y a plein de plumes. Plein de plumes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Viens Sacha, on va se préparer. Je suis en train de découper. Il faut le mettre là. C'est mon chapeau. C'est mon chapeau. Mon costume est génial. Ma maman m'aide à me préparer. Les costumes sont blancs. Voilà mes ailes. Mon costume ressemble à un papillon. Maintenant, on va danser.
Encore. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le carnaval. Je m'appelle Suzanne. Bonjour, je m'appelle Sacha. On se prépare pour le carnaval. Venez voir. C'est le carnaval. C'est un grand costume pour le carnaval. Voilà les ailes, le masque et le col. Regardez ce costume. Il est rouge et or. Il y a plein de plumes. Plein de plumes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Viens Sacha, on va se préparer. Je suis en train de découper. Il faut le mettre là. C'est mon chapeau. C'est mon chapeau. Mon costume est génial. Ma maman m'aide à me préparer. Les costumes sont blancs. Voilà mes ailes. Mon costume ressemble à un papillon. Maintenant, on va danser. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Un jour, au pays des Télétubbies, Lala jouait au ballon. Lala jouait au ballon. Dis-moi, Lala, est-il vrai que tu sais le lancer et aussi l'attraper? Oui. Son objet favori, c'est son ballon, qui s'envole et rebondit. Ballon ! Oui ! Le ballon monte et puis retombe et rebondit. Le voici. Où donc est-il parti ? Lala vient de nous montrer qu'elle sait vraiment lancer son ballon et l'attraper. Son objet favori, c'est son ballon, qui s'envole et rebondit. Oui ! Objet préféré ! Oh,
C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. Non. Au revoir, Tinky Winky. Au revoir. Au revoir, Dipsy. Au revoir. Au revoir, Lala. Au revoir. Au revoir, Po. Au revoir, Tinky Winky. Au revoir. Au revoir, Dipsy. Au revoir. Au revoir, Lala. Au revoir. Au revoir, Po. Au revoir. Quand le soleil se couche le soir, les Télétubbies disent au revoir. Oh.
Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour Émilie, bonjour Franck. Bonjour Nelly, vous allez bien? Venez, on va voir les cygnes. Allez, viens. On va voir les cygnes. Est-ce que vous savez ce qu'on va voir aujourd'hui? Des cygnes. Oui, des cygnes. On va à un endroit qui s'appelle l'étang des cygnes. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Vous savez pourquoi est-ce qu'ils viennent ici? Ils viennent parce qu'ils savent qu'on va leur donner à manger. Ils viennent pour avoir à manger. J'aime bien les cygnes. Ils viennent pour avoir à manger, c'est ça? Ouais, ils ont faim. Tu sais, quand ils sont bébés, ils sont comme le vilain petit canard. Et après, tu sais comment ils deviennent? C'est des cygnes. Des cygnes, oui, de beaux et grands cygnes. Oui. Alors, on va les nourrir? Oui! Voyons si on a de quoi leur donner à manger. Il est temps de dire au revoir aux cygnes. Au revoir les cygnes. Au revoir les cygnes.
Allez, on rentre. Allez, venez. Je m'appelle Franck. Je m'appelle Émilie et voici ma petite sœur. Venez, on va au jardin. Hey, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour Émilie, bonjour Franck. Bonjour Nelly, vous allez bien? Venez, on va voir les cygnes. Allez, viens. On va voir les cygnes. Est-ce que vous savez ce qu'on va voir aujourd'hui? Des cygnes. Oui, des cygnes. On va à un endroit qui s'appelle l'étang des cygnes. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Vous savez pourquoi est-ce qu'ils viennent ici? Ils viennent parce qu'ils savent qu'on va leur donner à manger. Ils viennent pour avoir à manger. J'aime bien les cygnes. Ils viennent pour avoir à manger, c'est ça? Ouais, ils ont faim. Tu sais, quand ils sont bébés, ils sont comme le vilain petit canard. Et après, tu sais comment ils deviennent? C'est des cygnes. Des cygnes, oui, de beaux et grands cygnes. Oui. Alors, on va les nourrir? Oui! Voyons si on a de quoi leur donner à manger. Il est temps de dire au revoir aux cygnes. Au revoir les cygnes. Au revoir, au revoir les cygnes. Allez, on rentre. Allez, venez.
Un jour, au pays des Télétubbies, les Télétubbies étaient très très joyeux. Oh oui, 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 très joyeux, oui, gros câlin. C'était l'heure du Tubby Toast. C'était l'heure du Tubby Toast. Regardez, la table est pleine de miettes de Tubby Toast. C'est mieux.
En fait, c'est mieux. Oui. Oh non. Gros câlin. C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. Non. Au revoir, Tinky Winky. Au revoir. Au revoir, Dipsy. Au revoir. Au revoir, Lala. Au revoir. Au revoir, Po. Au revoir. Au revoir, Tinky Winky. Au revoir. Au revoir, Dipsy. Au revoir. Au revoir, Lala. Au revoir. Au revoir, Po. Au revoir. Quand le soleil se couche le soir, les Télétubbies disent au revoir.